avant ça, Eugénie Bastier, bonjour. Bonjour. Vous souhaitez revenir, Eugénie, ce matin sur ce conflit qui oppose J.K. Rowling, donc l'auteur d'Harry Potter, au gouvernement écossais au sujet d'une loi punissant les propos transphobes. Euh oui, c'est une drôle d'histoire, en effet, où un premier ministre écossais musulman croise le fer avec une romancière britannique au sujet des personnes trans. Alors le 1er avril, la loi Hate Crime and Public Order a été promulguée en Écosse. Elle criminalise, je cite, l'incitation à la haine liée à l'âge, au handicap, à la religion, à l'orientation sexuelle et à l'identité transgenre. J.K. Rowling, la géniale inventrice d'Harry Potter, s'oppose depuis plusieurs mois à cette loi. Il faut savoir qu'elle est la cible depuis plusieurs années des militants transactivistes. Elle est accusée d'être une terf, une féministe anti-trans, parce qu'elle a rappelé qu'il existait un sexe biologique et qu'être une femme n'est pas simplement un ressenti. Elle est pour ses propos harcelée, reniée par les acteurs du film Harry Potter, et ses livres sont même brûlés dans certains endroits. Mais J.K. Rowling tient bon. Elle se demandait donc cette semaine, avec ironie sur X, si ses propos allaient lui valoir une arrestation par la police écossaise. Et alors, est-ce le cas? Alors bien sûr, la police écossaise lui a répondu que non, ces propos euh, ne tombaient pas sous le coup de la loi. Mais euh, Rowling a bien raison d'expliquer que cette législation est une porte grande, ouver grande ouverte aux abus de la part de militants qui veulent réduire au silence les féministes qui, comme elle, dénoncent, par exemple, les dangers de supprimer les espaces réservés aux femmes au nom de l'idéologie transgenre. Le motif flou. De la haine sert à baïonner toute liberté d'expression sur ces sujets. Alors, est-ce que cette loi écossaise, Eugénie, est la seule du genre Non, partout dans, dans les démocraties euh, libérales, la lutte contre la haine est instrumentalisée pour faire taire. Sur les campus américains, par exemple, la lutte contre le hate speech, le discours de haine, au nom de l'inclusivité, aboutit à la censure de toute opinion non progressiste. En France, on se souvient du désastre de la loi Avia en 2020, qui prétendait lutter contre tout contenu signalé comme haineux sur Internet. Heureusement retoquée par le Conseil constitutionnel pour atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. Mais récemment, une proposition de loi a, elle, été votée à l'Assemblée nationale qui permet désormais de réprimer les propos racistes ou antisémites tenus dans un cadre non public. Mais euh, franchement, Eugénie, est-ce que c'est pas une bonne chose, au fond, de, de punir les propos haineux On en voit bien que ça se multiplie dans la sphère publique. Hein. Ça, je suis d'accord avec vous, la haine, c'est mal. « All you need is love », on aimerait bien, on aimerait tous vivre dans une chanson de John Lennon. Mais la réalité est plus compliquée que ça. Qu'est-ce que la haine Qui la définit Comment la différencier de la critique Se moquer de l'islam Dire qu'il y a deux sexes Vouloir contrôler l'immigration Est-ce que c'est de la haine Philippe Muret, vous savez, parlait déjà de « cajophobe » pour décrire cette propension à réduire les opinions à des phobies. L'extension du domaine de la haine, c'est la restriction du domaine du débat. La loi Pléven de 1972 72 punit l'incitation à la haine raciale et elle permet non plus à un individu mais à un groupe qui se sentirait offensé de porter plainte. Elle traîne déjà beaucoup de gens devant les tribunaux, l'ancien journaliste Éric Zemmour, l'actrice Brigitte Bardot ou l'historien Georges Bensoussan. Et même Guillaume Meurice, l'humoriste de France Inter, qui a fini devant la police judiciaire pour une blague sur Netanyahou, pour ce motif d'incitation à la haine. Qui d'autre encore Charlie Hebdo. En 2012, le journal avait eu droit à un procès pour incitation à la haine raciale pour les caricatures de Mahomet. Cela leur avait placé une cible dans le dos. On sait ce qu'il advint par la suite. Les dessinateurs furent assassinés. La lutte contre la haine peut être le bras armé de la censure. Signature européen Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. 8h52.